Charmante, bonjour. Vous avez été nombreux à nous écrire concernant les objectifs. Nous avons donc décidé de consacrer notre photo chronique aux objectifs et aux choix de ceux-ci. Ce qui est important de savoir lorsqu'on choisit un objectif, c'est que ceux-ci se présentent sous toute forme, à tout prix et dans toute qualité. Il faut au fond savoir exactement ce qu'on veut faire avec ceux-ci. Les objectifs se présentent typiquement en deux catégories. Les objectifs fixes, donc avec une focale qui est non variable, et les objectifs à focale variable qu'on va également appeler des zooms où on peut changer le champ de vision. Dans ces objectifs-là, on retrouve également des sous-catégories, entre autres les très grands angulaires qui vont de 10 à environ 24 mm, les grands angulaires qui vont de 28 à 35, les objectifs de type standard ou normaux qui vont de 40 à environ 65 mm, les courts téléobjectifs de 70 à environ 200 mm et les très longs téléobjectifs qui vont de 300 à 600 et même jusqu'à 800 mm. Ajoutons à ça trois autres types d'objectifs, dont le fisheye qui donne des angles extrêmement larges avec beaucoup de distorsion, les objectifs de type macro qui permettront de faire de la macrophotographie des fleurs, des insectes, etc. et les objectifs à décentrement à bascule qui permettent de corriger les perspectives lorsqu'on fait par exemple de l'architecture. Ces objectifs feront éventuellement un topo lors d'une prochaine photo chronique. Vous vous souvenez que précédemment, on a fait une photo chronique sur les différentes tailles de capteurs, mais sachez que lorsqu'on monte un objectif sur un boîtier de type APS-C, celui-ci multiplie toujours la focale existante de l'objectif par 1.5. Par exemple, quand j'ai 500 mm monté sur le boîtier, j'obtiens un champ de vision effectif de 750 mm. C'est un réel gain, surtout lorsqu'on veut rapprocher encore plus. Au niveau des objectifs, lorsqu'on fait notre choix, il faut savoir qu'il existe des objectifs qui sont très polyvalents, surtout pour les objectifs de voyage. Entre autres, le 18-200 sur les capteurs de type APS-C et le 28-300 pour les capteurs plein format, donc les full frame. Ceux-ci sont intéressants puisqu'ils vous permettent d'avoir un seul et même objectif tout au long du voyage et concourir un champ de vision très intéressant. Chose à faire attention, ils sont un petit peu moins généreux en luminosité. Justement, lorsqu'on parle de luminosité, il faut savoir que plus le chiffre est petit, par exemple f1.8 et même f1.4, l'objectif laissera passer beaucoup plus de lumière. Deux effets positifs, une meilleure vitesse au déclenchement, mais surtout une beaucoup plus faible profondeur de champ, ce qui permettra d'isoler un sujet par rapport à l'arrière-plan. Comme il existe différentes disciplines photographiques et donc différents types de photographes, certains préféreront le portrait et ils seront portés vers les objectifs de type 50 mm, 1.8 ou 1.4, donc très lumineux pour garder un flou très important derrière. On va également considérer la 85 mm, soit également 1.8 et 1.4. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est important, plus le chiffre est petit, plus l'objectif est dispendieux également. Pourquoi? Parce que celui-ci communique beaucoup de lumière au boîtier et le verre étant démesuré, c'est ce qui coûte cher à fabriquer. Pour les amateurs de nature et de paysage, ils vont plutôt opter pour un objectif de type très grand angulaire, donc dans le cas d'un capteur de type APS-C, un 10 à 20 mm. Et pour les gens qui utilisent un capteur plein cadre ou full frame, ils vont plutôt opter pour le 16-35. Les perspectives très larges et les champs très larges permettent de couvrir beaucoup de paysages. Il faut savoir que la même règle s'applique, plus le F est petit, donc plus la valeur est petite, plus l'objectif est dispendieux. Pour les photographes qui aiment faire la photographie sportive ou la photographie un peu plus générale, il existe des zooms courts télé qui sont très intéressants, notamment le 70 à 300 mm qui couvre donc un champ de vision très généreux, qui convient même à la photographie sportive à l'extérieur, que ce soit pour du soccer ou du baseball, et également, dans ce cas-ci, un 70-200 mais 2.8 qui est très lumineux, qui va convenir plus à la photographie sportive mais à l'intérieur, par exemple du hockey ou du basketball. Ces objectifs, évidemment, sont beaucoup plus dispendieux parce qu'ils laissent passer beaucoup plus de lumière, mais sont également très piqués. Une autre catégorie de photographes qui est de plus en plus florissante, c'est les birders, ou ce qu'on appelle les photographes d'oiseaux. Ceux-ci ne seront pas contents à moins d'utiliser un objectif d'au minimum 400 mm. Un zoom comme celui-ci, par exemple, 100 à 400 va convenir pour ce type de photographie-là, mais c'est limite. Sachez qu'ils seront encore plus satisfaits avec un 500 ou même un 600 mm. Il existe une compagnie qui s'appelle Sigma qui fabrique également un très bon objectif pour les gens qui aiment photographier les oiseaux ou même le sport à l'extérieur. C'est un 150 à 500. Il est donc très puissant et surtout, il est très abordable. Un peu moins lumineux, mais il va très bien fonctionner lorsqu'on a une bonne lumière à l'extérieur.
Les objectifs possèdent également des accessoires auxquels on peut ajouter, par exemple, un convertisseur de focale qui permet de multiplier votre focale existante, vous permettant souvent, de manière économique, d'aller chercher un peu plus de rapprochement. Par exemple, sur un 70-200, lorsqu'on met un doubleur, on peut aller chercher un 140 à 400 mm, ce qui n'est pas négligeable. L'inconvénient de tout ça, c'est qu'on perd de la lumière et qu'on pourrait perdre légèrement en qualité, mais c'est quand même très économique. Chose à surveiller, les convertisseurs de focale ne font pas nécessairement sur tous les objectifs. Assurez-vous de la compatibilité au départ. Conseil du professionnel, ne négligez jamais de protéger votre investissement puisque ces objectifs-là, on veut les garder pour longtemps. Ayez toujours à portée de la main sur vos objectifs et en tout temps un filtre de protection. Pas n'importe quel type de filtre, on va oublier les filtres UV et les filtres de type Skylight qui vont en fait changer vos couleurs. On va plutôt utiliser un filtre de type neutre. En conclusion, sachez que lorsqu'on ajoute un objectif dans notre système photographique, ça devrait être considéré comme un investissement plutôt qu'une dépense. On devrait également savoir que l'objectif, c'est l'œil de votre appareil photo. Plus celui-ci est précis et de bonne qualité, plus il rendra des images nettes, contrastées et avec de meilleures couleurs. Je vous invite à nous suivre dans nos prochaines photochroniques. D'ici là, je vous salue.